Alors que sa formation politique, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, soufflait sa première bougie lundi à Abidjan, Laurent Gbagbo s'est invité dans le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis maintenant 3 mois. L'ex-président ivoirien a demandé au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, de jouer la carte de la fraternité. On va demander à Assimi Goïta. C'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta. De penser à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Une année après sa création, le PPACI pense déjà à la conquête du pouvoir. Et pour la présidentielle prévue en Côte d'Ivoire dans 3 ans, le nom du candidat qui défendra ses couleurs est presque connu. Pour ces élections de 2027, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. Pour le secrétaire général du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'alternative à cette candidature.